like you lost another one. Le Ngrimba de tout là, non, c'est la magie, c'est la dimension seulement. La dégaine, ça, c'est un bon bassa. C'est un bon bon, c'est chez nous. Je dis que c'est la magie. Moi, je suis bêtis, non, mais je respecte nos gars. Ah, là, je t'assure, gars. Non, parce que le manque de jambes et de sa gars. Tu parles de qui, même? Tu parles de trembler. Il faut trembler. Ouais, laisse-moi. Est-ce que vous pouvez libérer l'espace pour permettre aux autres clients de s'asseoir? Tu nous chasses seulement. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que j'ai de nouveaux clients. Et sans dire le commerce, une telle conversation. Le monsieur marron, là, s'il vous plaît. Vous n'avez pas encore réservé votre facture, monsieur. Maman, je vais venir vous payer demain. Je viens manger ici tous les jours, non? Demain, je serai là pour manger, je vais vous payer. C'est quelle connerie, ça, le marché qu'on est demain. Pardon, paye mon argent. Tchè, je suis prêté. Tu as 10 000 fois pour 3 ans, c'est égal à vous. Tchè, mais il ne me boit pas, pardon, avant que je n'ouvre mes yeux, pardon, à l'aide. C'est une blague ou quoi? Tchè. Attends, tu blagues? Tu me connais. Je sais. Pourquoi tu agresses mes clients? Ah, maman, elle est quoi? Maman, comprends-moi la magie en route. Il finit de manger. Il dit qu'il a oublié l'argent à la maison. Comment ça? Hein? La mère. Tu me connais? La mère. Je demain, si tu me connais. Je dis que je vais payer demain. Tu vas payer demain comment? Je suis en train de faire la mère. Pas comme ça là. C'est moi qui allons à la cafétéria là. Okay. Tu ne payes pas pourquoi? Je dis que je vais payer demain quand je vais revenir. Tu payes demain pourquoi? Je mange ici tous les jours, non? Tu ferais faire quoi ici? Pitié. Je vais faire quoi? Maman, ramène les assiettes. Maman, ne te fuis pas trop. Voici son téléphone. Ramasse! Allez, va me laver les assiettes. Ne passe pas mon comptoir avec tes conneries. Pas comme ça là, idiot. Qu'est-ce là? C'est quelle bêtise ça? J'ai oublié. Mais ce n'est pas possible. Tu oublies les gens et puis tu meurs, tu viens maver. Tu n'as pas oublié ton ventre. Tu grilles dans ses fibres. Lève-moi vite les assiettes là. Et tu poses les bidons, tu vas pousser l'eau. Je vais arriver en retard à l'école. Hé, ne m'énerve pas. Hein. Tu vas quoi? Je vais arriver en retard à l'école. Tu vas arriver même après demain à l'école là. Lève-moi les assiettes là. Et si tu n'en portes pas là, tu n'auras pas ton téléphone. Bonsoir. Je croyais qu'on se prenait au restaurant. Je n'ai pas le moral. Je reviens de l'hôpital et les médecins continuent de me dire la même chose. Comme quoi, je dois être patiente, ça va aller, je n'ai aucun problème. Ils sont sûrs de ce qu'ils racontent. Chaque fois, ils disent que tu n'as rien, tu n'as aucun problème, mais quand on essaye, tu n'as jamais eu même un petit retard. C'est ça qui me tracasse, chérie. Tu n'as pas pris des pilules après ton dernier accouchement? Non, pas du tout. Lave bien les assiettes là. Si je trouve l'huile sur la tasse, tu vas me sentir. Tu viens de manger quand tu n'as pas l'argent. Hé, on t'a dit que je nourris les enfants ici. Bonjour madame. Bonjour monsieur.
Asseyez-vous, mes filles vont vous servir. Madame, je suis là pour les tickets, je suis de la mairie. La mairie croit qu'on vend quoi ici pour vous envoyer collecter de l'argent. C'est le droit pour la place que vous occupez, madame. Fiston, le marché c'est de l'autre côté, hein. Ici c'est privé. Mais madame... Monsieur, si vous voulez manger, asseyez-vous, on vous sert. Vous passez la combat, on vous sert. Et vous payez, vous partez. Sinon, je ne répondrai plus de mes actes. Regardez-moi. Mairie, mairie. Non, vends même ici. Tu ne vois pas que tu es même trop petit pour travailler à la mairie. La France a même 14 ans. Ha! Si tu viens là, tu es à la mairie. Je vois que tes fibres là ici. Comment? Que quelqu'un n'a même pas vendu la mairie. Lève les effets là. Macabo pilé. Tu viendras encore demain. Pourquoi c'est si difficile de ne vivre que de joie dans ce monde? Parce que malheur et tristesse font aussi partie de ce monde. Pourquoi ça? J'ai peur de perdre Roger. Comment ça le perdre? J'ai 3 enfants que je n'ai jamais désirés, avec 3 pères différents. Aujourd'hui que je désire un homme, je n'arrive pas à tomber enceinte de lui. Même si Roger ne me le dit pas en face, il a vraiment besoin d'un enfant. Et il est impossible pour moi de tomber enceinte. Ma chérie, ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu. Et s'il connaît que c'est vraiment important pour moi. C'est chez toi que je vais comme ça. C'est comment? Ah, ça va, Bayrès. C'est chez toi que je venais comme ça là. Tu venais chez moi comment? Moi-même, je suis en train d'aller chez toi comme ça. Effectivement, moi-même, je venais chez toi. Tu vois ma soeur qui est en Belgique là. C'est qui va demander de prendre le studio là. Oui. Donc elle est arrivée. Pour le moment, elle est en train de se reposer. Mais le soir, qu'elle va se réveiller, on va revenir chez toi. On va régler toutes nos factures. Donc j'aurai mon argent ce soir. Ce soir, on règle toutes nos factures. J'espère que ce n'est pas un de tes multiples jeux. Non, Bayrès, mais comment? Je t'ai dit ce soir, parce qu'elle est en train de se reposer. Donc ce soir, on règle toutes nos factures. Donc ce soir, si j'aurai mon argent. Ce soir, tu as tout ton argent complet. Et quand tu dis le soir, tu dis ça, c'est vague. Et vous allez venir à quelle heure? Bon, dans tous les cas, appelez-moi avant d'arriver. Ça, il faut aussi arriver que je sorte. J'ai ton numéro, non, Bayrès. Il t'appelle. Voilà. Il t'appelle le soir. Donc ce soir. Ce soir, on règle toutes nos factures, ce soir. Ok. À ce soir. D'accord, Bayrès. Mademoiselle, s'il te plaît, un instant. S'il te plaît, patiente un peu. Bonjour. Qu'est-ce que tu me veux? En fait, c'est que tu es une très belle femme et tu me plais. Tu ne me plais pas. En fait, on peut apprendre à se connaître, non? J'ai pas le temps de me prêter à ce jeu. Encore moins avec toi. Donc, bonne journée. Bienvenue. Merci. Merci. Alors, tu as mis tellement de temps que j'ai pris de l'avance. Désolée. Serveuse. Bonjour madame. Bonjour. Vous voulez vous prendre une boisson? Oui, je veux une cassette. D'accord madame. Et vous monsieur? Tu vas rien à manger? Oui. D'accord. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a retenu? Pour dire vrai, j'ai hésité à venir ici. Oui, tu es le fiancé de ma collègue. Je ne me sens pas très confortable dans ce que nous faisons. Écoute chérie, c'est pas comme si elle et moi on était déjà mariés. Mais être fiancé, c'est déjà un engagement. Mais écoute, quand je te l'ai dit, laisse-moi gérer la situation, ok?
Allez, dites-lui.